Beau matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce mercredi 5 avril 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, j'attire de bonnes relations et de bonnes personnes dans ma vie. Je m'entoure facilement de gens positifs et sains. Aujourd'hui, j'ai pigé le 8 d'eau. Donc, c'est dans la suite d'eau, n'est-ce pas? Et cette suite, elle est liée aux émotions et à l'intuition. Alors, le 8 d'eau, c'est nécessité de passer à autre chose, attendre davantage de la vie, quête spirituelle, choisir d'apporter de grands changements dans sa vie, changement de priorité, quitter le foyer. Eh bien, cette lame, elle vient vous dire qu'il est temps de passer à autre chose. Alors, ce qui suscitait votre intérêt ou votre enthousiasme auparavant, vous semble désormais plat et insatisfaisant. On a l'impression que vous aspirez à beaucoup plus, à autre chose. En fait, votre spiritualité, elle s'est développée au point que les choses purement matérielles, pour vous, à l'heure actuelle, ne présentent quasiment plus aucun intérêt pour vous. Pour certains d'entre vous, vous cherchez peut-être l'illumination, le bonheur, la certitude d'être sur votre voie sacrée. Alors les situations qui ne vous servent plus, ou pire, dans lesquelles vous vous sentez piégé, doivent être abandonnées. Si maintenant vous êtes dans une situation, que ça soit une situation amoureuse, personnelle, professionnelle, familiale, matérielle, il est temps pour vous de lâcher prise. Il ne s'agit pas nécessairement de le faire du jour au lendemain, n'est-ce pas? On ne vous demande pas ça. Il faudra peut-être du temps, mais on vous demande de bien réfléchir à ce que vous désirez, à ce que vous voulez, à ce que vous espérez. Et vous pouvez y aller doucement, petit à petit, vous savez, l'oiseau fait son nid, Mais il faudra accepter cette nouvelle aventure et vraiment, présentement, passer à l'action. Si vous avez encore des doutes, n'ayez crainte. Vous êtes prêt. Vous avez longuement réfléchi. Ce sont des décisions qui sont longuement mûries. Vous avez mûri cette décision que vous allez prendre. Il est temps de vous y mettre. Actuellement, il est temps. Il est temps de passer à autre chose, n'est-ce pas? Vous avez assez souffert. Être malheureux, c'est pas ça le but de la vie, n'est-ce pas? Donc, on vous invite, si vous êtes dans une situation qui est pénible, qui est dure, quittez cette situation. C'est un moment poignant et puissant. Vous choisissez de chercher un sens plus profond à la vie. Et cette carte, c'est l'archange Jérémiel. L'archange Jérémiel aide à apporter le renouveau. Donc, demandez-lui de vous aider. Demandez-lui de vous guider dans l'évolution de votre vérité personnelle, de vous accompagner dans votre existence. Demandez-lui son aide. Il sera heureux
cet archange Jérémiel de vous aider. Eh bien, c'est un très beau c'est un très beau message pour celle et celui que ça parlera. Voilà, il y a des situations où on est inconfortable ou que cela ne nous convient plus et voilà, il faut faire des choix dans la vie et c'est pas facile ces choix, mais dites-vous que vous êtes prêt aujourd'hui à prendre des décisions et ayez surtout confiance en vous. Alors je termine par le petit oracle des anges gardiens. Et aujourd'hui j'ai pigé jugement. Balaye ta crainte d'être jugé. Tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par la rigueur et la retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, sois seulement toi-même. C'est le message de l'oracle des anges gardiens. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse, à demain.